aussi un chef, un qari qui vient de spécialement comme ça, de Turquie. C'est Cheikh Qari Mehmet Bilir, qui est un des plus grands savants du Coran dans le monde aujourd'hui. Et vous le verrez vous-même et vous en jugerez par vous-même. Et donc c'est vraiment un honneur pour nous qu'il soit parmi nous dans cette mosquée. Bien qu'il est venu dans des conditions un peu difficiles, il est un peu malade, mais malgré cela, il a accès, il est attaché par un autre rendez-vous, il doit partir rapidement. On a voulu qu'il reste avec nous toute la soirée, mais on a au moins pu bénéficier de sa présence au début de cette rencontre, Inch'Allah. Donc il va nous psalmodier quelques versets coraniques avant de partir. Et donc nous le remercions vivement d'être parmi nous, ainsi que les frères qui l'ont accompagné, qui sont venus du bassin. Et nous remercions tous les frères et sœurs qui sont venus de loin, les frères qui sont venus des Pays-Bas, les frères qui sont venus de Nomixi, les frères qui sont venus de Lunéville, les frères qui sont venus de Pantamousson, de Creusval, les Frémins. Bonjour, on voit plusieurs, ceux de, bien entendu de l'agglomération, ils sont chez eux. Donc, barakallahu fi jamir. Et sans trop tarder, donc, à nouveau, mina cheikh, Mohamed Bilal, ben yataqaddama ila al-manassa. وأن يستفاد بآيات بينات في كتاب الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. Amen.
بسم الله
Thank you.
متضاعفة تتضاعف شيئا بشيء شيئا بعد شيء ووقتا بعد وقت ولقاء بعد لقاء. فيختم هذا اللقاء الذي بدأ منذ الجمعة باعتناق واحد من الذين كانوا في الضلال إلى الهدى وأن يعانق النور وأن يعانق بشاشة الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه إيمانه وأن يتقبل منه إسلامه. فنطلب من الأخ إن شاء الله أن يتقدم إلى المنصة. Donc, nous remercions d'une manière très chaleureuse notre cheikh Mehmet Bilir pour cette belle récitation demandant à Allah Azza wa Jal de lui donner lumière après lumière. Allah Azza wa Jal a voulu que cette soirée-là, en plus du Coran que nous avons entendu, en plus de la conférence que nous allons entendre, il a facilité dans ce moment-là un autre événement qui est encore plus important puisque c'est l'ouverture d'une grande lumière pour quelqu'un qui a voulu embrasser l'islam et ce n'était pas prévu, donc il était parmi nous aujourd'hui venu pour se convertir et ça a coïncidé avec cette grande rencontre. C'est un des signes que Allah Azza wa Jalla nous envoie pour nous montrer que cette religion ne cesse de transpercer les cœurs, ne cesse de s'enraciner dans les cœurs, ne cesse de faire jaillir sa lumière sur les cœurs qui ont été assombris par les ténèbres de l'égarement. Et ceci ne se fait que grâce à Allah Azza wa Jalla, par sa bénédiction, non pas par notre effort, parce que nous sommes dans une époque et dans un lieu où l'islam est combattu nuit et jour, mais malgré cela, ce même islam ne cesse d'entrer dans les cœurs et ne cesse de convaincre les uns et les autres que c'est la religion d'Allah Azza wa Jalla, que c'est le chemin d'Allah Azza wa Jalla et que c'est la seule voie qui mène au paradis. Donc je demanderai au frère Jabbar. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah, qu'il n'y a de Dieu que Allah, et que Muhammad est son serviteur et son messager. Bienvenue à l'islam. Inch'Allah, un des chers savants n'attendra il à Mouradaratihi. إن شاء الله تقولنا أبنيها نسلم عليه ونتعب. بعد ذلك نتابع برنامجنا مع فضيلة الشيخ حبيبنا سيدي إن شاء الله. إذا نقول واحد الأشخاص الطريق لنتودع الشيخ ولكن ما تقولش عليه الله يجزيكم بخير، ما تقولش عليه لأنه تبقى سفر. وبعد ذلك إن شاء الله نبدأ المحاضرة بعد هذا الأسئلة. جزاكم الله خيرا.